Nous sommes avec Jean-Francis Bourralière en direct de l'Hôtel de Ville. Comment est le temps au festival Fnac Live ? Oui Thierry, je vous entends. Eh bien écoutez Thierry, comme vous pouvez le voir, il pleut actuellement Thierry. C'est assez problématique actuellement. Nous n'avons pas d'informations supplémentaires sur ce qui va se passer dans les minutes à suivre. Mais pour l'instant, en effet, Thierry, oui, il pleut. L'interview pourra-t-il continuer ? Oui, je vous entends très bien. L'interview va se continuer, bien évidemment. Eh bien, allons-y, exactement, Thierry, allons-y. C'est parti, retour à vous. Entre la sensibilité musicale qu'on essaye de rechercher et ce que les réalisateurs font dans leurs vidéos. C'est pour ça qu'on a passé beaucoup de temps à travailler sur le clip Hope qui nous a révélé il y a quelques mois. Pour le graphisme également, on travaille principalement avec des amis, pas forcément des gens qu'on connaît pas, surtout des amis, afin que ce soit vraiment un échange très sincère pour produire une matière la plus honnête et avec le plus de véracité possible par rapport à notre musique. Je pense que s'il y a un truc qui rejoint aussi bien notre démarche musicale que notre démarche artistique globale, c'est que pour nous, ce qui importe, c'est l'engagement humain. Et c'est avant tout, j'aime votre projet et qu'est-ce que je vais dire par-dessus ça. Et on veut qu'il y ait une réelle collaboration, mais qui va au-delà de juste « je te fais une pochette ». On n'a pas forcément d'identité musicale, c'est les autres qui la sentent, et pareil pour l'identité visuelle finalement. On n'a pas cherché, il n'y a pas de ligne directrice quoi. Mais si je devais garder un CD qui a aussi changé ma vie pour tout ce qu'il a de magnifique, de pluriel, d'incompréhensible, c'est Kid A de Radiohead. L'album sans titre de Sigur Rós qui s'appelle Untitled avec 10 morceaux qui est un chef-d'œuvre absolu. C'est un artiste que j'ai découvert grâce à Augusta qui s'appelle Nils Fram et c'est l'album Spaces. Qui est ma BO pour dormir, qui est ma BO pour marcher dans la ville. C'est un album que j'écoute tout le temps et partout. Donc un super album qu'il faut écouter. Yeah.
toujours un rêve de voir ces disques dans les rayons, quoi. Du coup, on a pu acheter nos disques et c'était chouette. On a acheté nos propres disques. Et dire à la vendeuse, ouais, c'est mon groupe. Le mieux, c'est d'arriver à la Fnac et de demander le CD de Kidwise et nous dire qu'il n'y est plus. Et qu'il est en rupture de stock. Ça, c'est extrêmement gratifiant. Du coup, ma mère en a acheté 30, je crois qu'elle en partie responsable.